Sa voix, pas changer la nature de ce qu'on est, son corps, donc la voix c'est un corps, en adaptant à une psychologie. On entre dans la psychologie des personnages. Stanislavski n'est pas loin. Donc, pour les chanteurs, c'est fondamental. Ouais. Comment rester soi-même et pourtant être quelqu'un d'autre. Ouais. Alors, notre chère Yolanta, elle a 13 ans. Ouais. Elle a 13 ans. Elle est très jeune. Et en fait, elle n'est pas triste du tout. Excusez-moi, si je vous tourne le dos, c'est pas poli. Elle n'est pas triste du tout, elle est curieuse. Mm. Elle est curieuse. Cette musique qui est écrite dans un ton mineur, ouais, c'est vrai, ça... pousse à la tristesse. C'est du Tchaïkovski, ça pousse au drame, mais en fait, il n'y en a pas de drame. Mm. Et il n'y en aura pas, parce que ça va se terminer même très très bien. Mm. Elle va même épouser son prince charmant. Alors, vous voyez, il n'y aura pas de drame. Pour le moment, ce sont des questionnements, pour employer un mot à la mode. Elle ne comprend pas. Elle pressent quelque chose, qu'on voilà. lui cache quelque on chose. On est dans l'ordre du subliminal. Elle pressent qu'il y a quelque chose auquel elle n'a pas accès, mais qu'est-ce que c'est? Et c'est de la curiosité, pas la tristesse. Mm. Donc déjà, un petit peu moins lent, mm. déjà le récit moins lent, okay. Moins madame. Et on va voir ce que ça va donner. Ok. Vous avez une petite sœur? Non. Non, une grande sœur. Deux petits frères. Deux petits frères, c'est parfait. Ils ont quel âge ? 25 et 21 ans. Ah oui, bon, quand ils étaient petits, c'est un peu. Quand ils étaient petits, et pourquoi la Terre est ronde ? Et pourquoi les voitures, elles roulent ? Voilà, on est dans ce domaine-là. Et pourquoi j'entends des choses ? Et pourquoi j'ai des yeux ? À quoi ça sert ? Seulement à pleurer ? Not. Je vous. Là, il faut livrer. Mm. Et après, non. Ok. Et quand on est fatigué, on n'a plus beaucoup de force ouais. pour donner moins de courage. Exactement. Voilà. Arrive, alors que tout à l'heure vous étiez plongé dans un énorme drame. Donc, magnifique, magnifique. Maintenant, Tchaïkovski, bah, la difficulté aussi dans une langue qu'on ne connaît pas, c'est de comprendre, déjà dans sa propre langue, comprendre les informations que nous donnent des compositeurs par la hauteur des notes, c'est pas toujours évident. Il faut traduire les signes musicaux en intention expressive, donc, et psychologique en l'occurrence, puisqu'il s'agit du personnage. Et donc là, quand un compositeur écrit des notes très graves, pourquoi est-ce que c'est grave? Alors le premier réflexe, évidemment, quand on chante, c'est « Mon Dieu, on ne va pas m'entendre, il faut que je chante plus fort pour qu'on m'entende, c'est trop grave !» Mais en fait, c'est le contraire que le compositeur voulait. Le compositeur, en fait, quand il écrit volontairement très grave, c'est parce que soit on est dans un secret, et un secret, bah, c'est ce... hurle pas sur les plus belles notes, hein. Non, un secret, ça se chuchote. Mais évidemment, on ne peut pas chuchoter dans une salle de 3000 personnes. Donc, il faut trouver le moyen. Et pour trouver le moyen, il faut d'abord trouver la raison pour laquelle c'est écrit, c'est grave, si grave. Et là, elle dit, cueillez-moi des fleurs. C'est pas mon Dieu, mon petit chat est mort. C'est, cueillez-moi des fleurs. Je vais les arranger dans un vase. Et puis, peut-être que le parfum
frais me calmera. Voilà, le parfum frais et doux des fleurs me fera du bien, calmera mon âme. Donc, pensez à quand on prend un bouquet de fleurs, une seule fleur, cette odeur suave, ce parfum suave qui arrive, on s'ouvre, mais c'est pas, voilà, c'est pas, on ne crie pas qu'on s'ouvre, mais on s'ouvre quand même. Du son et on finit par être englouti dans son propre son. D'accord.
Donc cette richesse que vous avez expressive dans les yeux, dans le regard, c'est ça qui va vous guider. D'accord. Et c'est ça que le public aussi ressent, même à distance. Je crois. Surtout avec les masques. Donc, c'est reparti du début. D'accord. Début. Oh, I'm a city.
langue. Ouais.